السلام عليكم. نحن في درس جديد وفي موديل جديد لمساعدة التمريض والمساعدين للتمريض في مدرسة البيبان للتكوين شبه الطبي، ونحن في موديل جديد لندرسه في مدرستنا وهو سوان اون نيرو نيفرولوجي. دونك لو موديل دوجوردي سي لي سوان اون نيرو نيفرولوجي. En particulier, on va se référer bien évidemment à la sémiologie de l'appareil urinaire, c'est-à-dire qu'on va cadencer, garder la pathologie de l'appareil urinaire. Et en particulier, on va parler des troubles khalal, donc les troubles qualitatifs, fait la pathologie, l'hématurie. Donc, قبل كل شيء نعرفوا donc نعرفوا تعريف تاع l'hématurie. Donc, on va définir ce que c'est que l'hématurie. Donc, la définition de l'hématurie. Deuxièmement, on va voir donc on va dire les types donc انواع تاع l'hématurie. Donc, en A, on va voir l'hématurie macroscopique. D'accord. En second lieu, on va voir aussi l'hématurie microscopique. Thumma, notamment les examens des trois verres, les hiya ma'roufa, flessions au neuro néphro. On va regarder les examens complémentaires, ou bitali, donc les causes de l'hématurie. Thumma, notamment la purie, les hématuries. Nous chauffons le tarif de la purie. Bien évidemment, les examens cytobactériologiques. Bien. Alors, les bactéries, donc, bien évidemment, l'introduction, ce qui veut dire, ce que c'est que les bactéries. Donc, on prendra soin à distinguer, d'accord, les troubles de la diction. On va dire, donc, les troubles de l'ambition qui généralement sont dus à des maladies, le bécoul khalal, le taboul, ikoun, hounak, wara'a, amral, adia, marufa. Donc, qui sont dus à des maladies affectant généralement à des amral, toucher ce qu'on appelle la vessie. Donc, toucher la vessie et l'urètre. Donc, ce soit là. C'est-à-dire la morphologie de l'appareil urinaire qui sont organiques, la vessie et l'urètre. Bien. Donc, et l'urètre, des troubles de la khalal de la diurèse. Donc, on va dire la faute. La diurèse, on chauffe avec le khalal de la diurèse, il faut le dire, donc, le trouble de la fonction excrétrice, donc la fonction de l'étrice, kharj, d'accord, des reins, le magoul excrétrice, charge les reins proprement dites et de leur conduit excrétaire ou chauffe-eau. Donc, les conduits, ta jihaz, ta l'appareil urinaire, donc, et leur conduit excrétaire, bien sûr, les urétères. D'accord. Alors, maintenant, nous parlons proprement dit au trouble qualitatif. Par définition, donc, c'est la présence du sang dans les urines. Le méchoufou, Emma, Emma, ça veut dire d'un tuli, ça veut dire urine. Donc, ou joue d'un fun boule. Donc, c'est la présence de sang dans les urines. Seulement, on distingue juge et noir d'hématurie. Donc, on distingue deux types d'hématurie. Bien, alors, le là, qui m'a donné A, l'hématurie macroscopique. Donc, l'hématurie macroscopique, c'est-à-dire que les urines sont colorées en rouge vif ou sombre. C'est-à-dire que le boule est cool, c'est-à-dire que les couleurs sont donc rouge vif, ou là, sombre. Elle devra être distinguée d'une hémoglobinurie. Toujours le first, il s'agit d'une hémoglobinurie, parce que là, c'est fin d'une coloration alimentaire ou médicamenteuse. De ma, le tarpeau
دونك الهيموغلوبين هنا نقولوا باينه عندها واحد النوع من 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 لي كولور كولوراسيون نعم تاع مواد غذائيه دونك كولوراسيون اليمونتير ولا تاع ادواء او ميديكامونتيز ou l'importance de l'examen cyto, je dirais, cytologique au microscope. Alors, quand on fait le frappe entre les matéries ou les hémoglobines, il faut qu'il y ait des tahalil microscopiques pour qu'on un diagnostic, ce qu'on appelle un diagnostic précoce. Bien, alors, quand on va voir les matéries microscopiques, dans ce boulot, on va voir les élites sont clairs. Donc la différence qu'il y a entre les hématuries macroscopiques, oui, les urines sont corrélées de sang vif ou sang, là, l'hématurie microscopique, eh ben, les urines sont claires, tout simplement claires, et l'hématurie n'est décelable que par ce qu'on appelle, là, donc, le CDU, les lois, donc là, un examen cyto bactériologique des urines, tout même, il s'agit d'une hématurie microscopique. Soit par numération des hématies par millimètre cube, qui sera supérieure à 7 hématies par millimètre cube, c'est-à-dire des globules hématies, ça veut dire le coréètre, ça veut dire les globules rouges, donc, ou les globules rouges, donc ils sont bien sûr, la valeur, la mesure de Ham, c'est en millimètre cube. Soit par ce qu'on appelle le compte d'Addis. Alors, le compte d'Addis, qui est la mesure du débit des hématies par minute. Donc, on a fait un hadith, t'atteina, le compte d'Addis, y'atteina, la mesure des hématies. Soit supérieur, qui m'a dit, à 5000 hématies, 5000 globules rouges par minute. Donc, à l'âge, vous te compagnez, les tahalils sont d'une importance dans le ma'naouya, kbira, pour que nous fassions bien les hématies macroscopiques, bien les hématies microscopiques, et en particulier, donc, hémoglobinerie. Là, les tahalils, il me faut qu'ils soient les différents. Maintenant, on va faire le wassap, l'ilage. Les soins en neuro-néphrologie, qu'il y a un examen, l'examen des trois paires. Examen des trois paires. Alors, l'examen des trois paires, c'est-à-dire que le malade doit uriner successivement dans trois paires au cours de la même mixtion. Maintenant, que Hadalmari a dit, il y a le mal avec le mal, تركيزات سكسيسيف يرسل معنا يرسل معنا يرسل معنا عليها نقولوا تحاليل تاع لي تروا فير دونك سكسيسيفون جو ديري سيغ لي تروا فير او كور دو لا ميم ميسيون لو بروميي فير دونك الكاس الاول ركاي اللي نقولوا لو ديبي ستادير المره الاولى تاع لو جي اورينير ستادير من تبول هذا الاول الزواج لو دوزيام فير لا بريس totalité, ماشي لا totalité, mais presque la totalité. T'as beaucoup, t'as le boule, ou t'as évité le troisième, la fin. T'as le boule. Donc, on a eu le carnet, t'as le tahalil, t'as le tahalil, t'as le tahalil, t'as le tahalil, le premier G, le mari, il boule le premier G, le deuxième, donc, zéro, le casse, radi boule, ça n'est que match, mais presque la totalité, donc, le الكاس الثالث غادي يكمل البول تاعها هذه هي ليكزامان دي تروفير دونك نشوفو بيان ايفيدامون لي ماتيري انيسيال سيتادير هاد لا بريزونس تاع وين كاين الدم في تيرما اوليه سيتادير سول لو بروميي فير اي تاتي دونك لما نقولو اي ماتيري انيسيال لو بروميي فير نلقوه بين تاتي فيه هاد لا تراس تاع الدم لا تات تاع الدم داكور C'est le premier G qui rince la lésion. Donc, naïto, l'hématurie est d'origine érythroprostatique. Donc, érythroprostatique plutôt. Elle est le premier vers la lèvre de 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 la généralement la prostate. Donc, on parle urétro, donc l'urètre et la prostate. Le deuxième vers. Alors,
Naïkoulha, l'hématurie terminale. Donc, Naïkoulha, l'hématurie terminale. Le troisième vers est teinté. Donc, le deuxième vers, m'affiche. M'affiche, la teinte, les jaïtna, les lunettes et la prosa. M'affiche. Sauf le troisième vers, fait. Donc, on va parler d'hématurie terminale. Seul le troisième vers est teinté. La vessie, en se vidant, saigne. Matana, mahouche, l'urtère et la prostate, les quatre fois le premier vers, les régimes de la le troisième vers, régime de la vessie. Donc, le troisième vers, le canon de peau, il a la tête de sang, il a la caisse, les fils boules, il a la régime de la vessie. Bien, et c'est la vessie qui sert, c'est pour cela qu'on goulou, les matériaux est d'origine vésicale. Maintenant, avec la présence, le wujud, tu as un peu le boule, rajaïna, malla, vici. Donc, c'est une lésion vésicale. Bien, alors. Et le troisième, donc l'hématurie totale. Donc, l'hématurie totale, c'est-à-dire que, guerre des trois vers, ma'amri bedem. Ça veut dire que le sang provient des reins. Le mèche fond, ma'amri bedem, ça veut dire quoi? Que, هذا الدم اللي راه في البول راه جاينا ملي راه علاش تلكيسان تحاليل هذه ليزامين دو تروا فير دونك التحاليل راه جاينا ملي راه خاطش علاه الي مون الي ميلونجي اميوري وش نهضروا هنا نقولوا ايماتيوري دوريجي رينال ايماتيوري دوريجي رينال الوغ قلنا لو بريمي فير سي اون ايماتيوري دوريجي اوريتو بروستاتيك جاينا من اليوريتير اي من لا بروستات الزوجة قلنا بين هذا التيانما اللي يكون في لو ترويزيام فير راه جاينا مين راه جاينا من لا فيسي نقولوا ايماتيو دوريجين فيزيكا ولما يكونوا الثلاثه فيهم هاد لاتات تاع الدم نقولوا بين ليماتيري اي دوريجين رينال راه جاينا بلير فهمنا ها ليكزامان تاع لي ترويزيام فير ماتنون في ليكزامان كومبليمونتير هنا وين غادي الطبيب يطلب انه يشوف لا روشيرش دان كرو ران يشوف اذا ما كاينش ان ران اللي منتفخ ان كرو ران نشوفو دي بوان دولورو سيتادير كو اون انترو دونك يشوف لي زانات كومبليمونتير اذا ما كاينش نقاط الالم ونشوف تانيك ان تي ان اي ان اكزامان جينيرال ان تي ان اللي غيكون ان توشي ريكتال تي ان سا فيدير ان توشي ريكتال اي ان اكزامان général. Même bien, qu'il y ait dans votre ombre la cytoscopie, donc elle est indispensable. Oui, je peux dire ce qu'on appelle la cytoscopie. Donc, lorsque la course n'est pas évidente, donc les amis, d'accord, la cytoscopie, mais je suis donc, l'esprit lié à les matières. Maintenant, نروحوا نشوفوا لي كوز دو لي ماتيري اسباب تاع لي ماتيري او في الاسباب دونك الاسباب نوعيا هي سيتادير اوريترو سيبيكو بروستاتيك معناتها في الجهاز تاع الجهاز البولي سلمو في الجهاز تاع اليوريت دونك اي لا بروستات دونك لما نقولوا اوريترو سيبيكو بروستاتيك معناتها نشوفوا سي نو ساجي با d'un adénom de la prostate, le mangoulo adénom de la prostate, en particulier des cancers, donc en particulier des cancers de la prostate. Bien, un choufouté sur le plan physical, donc au niveau de la vessie, donc s'il n'y a pas, c'est-à-dire des cystites, des inflammations de la vessie qui soient aiguës ou chroniques, donc des cystites aiguës ou chroniques, un choufouté, le mécanisme les examens, les causes, s'il n'y a pas une lithiase vésiculaire, d'accord, s'il n'y a pas une lithiase vésiculaire, généralement, donc on a une accumulation de calcaire, donc au niveau de la vessie. Je vous, si il ne s'agit pas de la bilharziose, donc et les tumeurs, donc on me bat tout simplement. Notre rapport, mon ben là, il s'agit évidemment d'une immaturité. Pourquoi? Parce que la chute dans les examens, le tahlil complémentaire, qui est en train de se faire, si elle l'atteint, on va chute dans les causes d'immaturité. Maintenant, on
la puerie. Donc, le nom est là, donc bien sûr, ils vous font, c'est-à-dire, vous allez vous souvenir, il s'agit de puerie. Puerie. Alors, la puerie, donc c'est tout simplement la présence du pu dans les urines. Donc, vous jouez de l'kèche, d'accord, oui, fulboul. Il y a la puerie. Donc, la puerie, généralement, quand elle est présente dans les urines, elle va témoigner d'une infection. Donc, d'une infection, en particulier des voies urinaires excrétrices, c'est le même mot excrétrice, c'est-à-dire pyélonéphrite, cystite, urétrite, prostatique, aiguë, c'est-à-dire, donc, une infection. C'est pour cela que vous avez le qih. Donc il s'agit d'une infection ta'hada li wtum drouk wa l'ada c'est surtout excrétrice. Le malgoul excrétrice, par exemple les pyélonéphrites, cystites, c'est-à-dire inflammation de la vessie, de l'urètre, de la prostate, etc. etc. Maintenant, les urines sont troubles et souvent malodorantes. Donc le malchoufou est atterrement, le choufou baïna. Trouble, fichal al kbir, donc moi nous savons, ou un des raïha, li met tuajut, ma raïha, t'il boule à net, un goulou malodorante. Donc, l'examen cytobactériologique, donc le mendou tahalil, ta la cytobactériou, n'haou, parce que nous avons des bactéries les moujoudines, le khalay, la bactérie les moujoudines, le boule, cytobactériologique, le celui-là. Donc, nous voyons les leucocytes altérés, on va voir les leucocytes altérés, mais ben, nous voyons bien sûr et le plus souvent les bactéries ou la bactérie les maroufa ou les c'est l'Erichilia coli. Donc, et chez l'Erichilia coli, on a le E coli, c'est-à-dire la bactérie, le moujouda par exemple, responsable généralement, responsable de l'infection, les trous. L'infection est la bactérie, il y a E. coli ou Erichilia coli. D'accord? Erichilia coli. Bien. Lorsqu'un germe n'est décelé, on parle de puerie acétique. Le même nom, un germe, c'est-à-dire le lien, fait-à-boule, on goulou baïla, haja acétique, haja qui est une puerie acétique, c'est-à-dire un vifa. Donc une puerie qui est acceptée. Celle-ci peut être due à une infection qui m'a voulu incomplètement ciblée. Donc il peut s'agir d'une infection qui est incomplètement, c'est-à-dire traitée par les antibiotiques. C'est-à-dire que le malade a dit les antibiotiques, sauf que ma camel sous antibiotiques, l'imada, un goulou, il s'agit d'une puerie acétique, c'est-à-dire un tribusultaire, ou la qui est bien un arrivé aseptique. Mais aussi à une tuberculose urinaire, donc tuberculose urinaire, et imposant la recherche du, généralement, le mot de tuberculose, c'est la recherche d'un bacille qu'on appelle le BK, le bacille de Koch dans les urines. Ou à Hissam Tania, Inch'Allah.